À Medjugorje, j'ai appris la prière avec le cœur. La prière avec le cœur, c'est parler avec Marie ou Jésus. Vous lui racontez votre journée, vos problèmes, vos joies, vos peines, vos envies, vos désirs, vos choix. Tous les sujets intéressent Jésus et Marie. Car tout ce qui vous concerne est important à leurs yeux. Car ils vous aiment. J'ai appris à avoir la joie dans la prière. Au début, c'est plutôt difficile. Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire, car je ne voyais pas comment, à force de prier et en me forçant, je pouvais trouver la joie. Et puis, bizarrement, en priant une demi-heure, en parlant sans arrêt et en me forçant un peu, après avoir prié, j'ai eu une petite joie. Je me suis aperçu que je priais plus facilement, car je repensais à cette joie. J'ai appris à entendre Marie et Jésus dans mon cœur. Les conseils de Marie, c'est d'écouter son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire, écouter son cœur? Écouter son cœur, c'est écouter l'amour dans son cœur. À chaque fois que vous avez une décision ou une question, faites le choix de l'amour. À chaque fois que vous priez, essayez de trouver la réponse de Marie qui vous répondra avec beaucoup d'amour. Et un jour, quand vous serez prêt, elle mettra une idée dans votre esprit et ce sera sa réponse. J'ai appris à suivre les 10 commandements. Comment on fait? Déjà, il faut repérer ses péchés en lisant la Bible et en se renseignant. Puis, il faut supprimer le péché. Si c'est un peu dur, commencez par le diminuer. Et pour ceux que vous n'arrivez pas à supprimer, il existe la confession. J'ai appris à me confesser régulièrement. J'ai d'abord fait beaucoup d'efforts pour trouver un prêtre. Et ça s'est mal passé. Alors j'ai parlé à Jésus, et maintenant, dès que je commets un péché, je me confesse spirituellement à Jésus. Bien sûr, cette confession ne remplace pas une vraie confession à un prêtre. Miracle eucharistique. Un prodige arrive lors de la célébration de la messe dans la basilique de Notre-Dame, Marie Vierge Immaculée. Des centaines de catholiques assistent à l'événement. L'Eucharistie devient de la chair et prend la couleur rouge. Les scientifiques ont constaté que le sang était du groupe AB. Apparition de Jésus. Le 29 décembre 2010, à 7h du matin, en préparant le petit déjeuner, la maîtresse de maison posa la cafetière encore chaude sur la planche à découper en bois. Le propriétaire, en entrant dans la cuisine, eut comme un flash en voyant l'image de Jésus-Christ avec une autre personne gravée sur la planche à découper en bois. Regardez les images. Manifestation de Dieu. Ici, à Medjugorje, pendant que les pèlerins sont en train de chanter une prière, le soleil se met à clignoter. Regardez les images. Larmes de sang. La ville, située à 55 km de Rosario, en Argentine, vit une révolution à cause d'une statue qui verse des larmes de sang dans le centre de santé. Début décembre 2012, selon le chef de la commune, le sang a été découvert vers 20h30 par une infirmière du centre de santé. Du liquide rouge semblait couler des yeux de la Vierge et il y en avait aussi sur les mains et les pieds. Des centaines de personnes ont défilé devant la statue de la Vierge. Et la fraude est impossible car la statue est scellée et on ne peut pas la déplacer. Des analyses sont en cours.
Manifestation de Dieu. Un phénomène prodigieux est arrivé à Medjugorje. Il semblerait que ce phénomène arrive souvent dans ce petit village. En effet, Dieu s'est manifesté à travers le soleil. Medjugorje est un haut lieu d'apparition mariale en Europe. Des millions de pèlerins s'y rassemblent pour prier la Sainte Vierge. Et il semblerait que les grâces pleuvent. Les larmes d'une mère. En janvier 2016, les images d'une statue qui pleure apparaissent sur la toile. Alvaro a filmé une statue de la Vierge Marie dans sa maison, à Santa Marta, en Colombie, au bord de la mer des Caraïbes. Regardez plutôt. Ange dans le ciel au Mexique. Le 21 septembre 2016, lors d'un orage, aux environs du lac de Chapala au Mexique, un nuage en forme d'ange ou un ange en forme de nuage est apparu dans le ciel. Regardez les images. Manifestation de Dieu. Aux États-Unis, comme partout dans le monde, le pain est transformé pendant la messe en corps de Jésus. Il est exposé à la vue de tous dans les églises. Ici, on peut voir dans l'église de la Sainte Trinité, à Phoenix, dans l'Arizona, des effets lumineux sur le métal autour du pain exposé. Cette vidéo est sortie en juin 2018 grâce à Santa Mora. Manifestation de la Vierge Marie. Dans la colonie de Ciudadores, au Mexique, dans une maison très pauvre, les parents n'ont plus d'argent et l'enfant de la famille réclame à manger. Sans argent et sans nourriture, ils finissent par prier la Vierge de Guadalupe. Le lendemain, l'enfant va mendier. Et vers 10h30, ayant réuni suffisamment d'argent, l'enfant peut acheter à manger et il va mieux. Quelque temps après, la mère va se baigner. Et l'enfant de la maison l'a rejoint. Il l'a rejoint pour lui annoncer que la statue de la Vierge pleure de l'huile. Miracle du soleil. Roberto a filmé avant mai 2014 cette vidéo. Je rappelle ici que je ne peux pas prouver que les miracles que je diffuse sont vrais. C'est tout simplement impossible. Je ne peux pas aller en Inde questionner la population ou tout simplement téléphoner à je ne sais pas qui dans une langue que je ne connais pas. Par contre, je ne mens pas à mes abonnés, car je suis convaincu que ces miracles sont vrais, même si quelquefois 2 mois après j'ai un doute.
Vous avez parfaitement le droit de ne pas croire à ces miracles. Par contre, n'inventez pas des excuses bidons pour ne pas croire. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous parler de Medjugorje, et surtout de vous soutenir dans votre foi, et pourquoi pas vous guider. Vous avez trouvé cette vidéo super géniale, enfin ouais, c'était pas mal. Alors dans la zone blanche, vous pouvez voir plus de miracles, et dans la zone bleue, la dernière vidéo. Je publie une vidéo tous les jours à 18h. Si cela vous intéresse vraiment, vous pouvez vous abonner en suivant la flèche rouge.